On vous attend. Il y en a certains qui vont être sur les tablettes et d'autres qui vont être sur leur livret de français et leur fichier de problème que j'ai corrigé ce week-end. La rallye lecture, on se rappelle que c'est dans français et dans les sites internet. Défitable, il faut aller sur accueil pour trouver l'application. Erin et Cassandra, voilà, c'est tout, après on va tourner. J'ai eu envie d'utiliser ces tablettes pour plusieurs raisons. La première, c'était que je voulais avoir un... Enfin, ça me donnait un support supplémentaire d'activité autonome. Et la seconde et la plus importante, je pense, c'est que je pouvais avoir un suivi, moi, de ce qui allait être fait sur les tablettes. L'intérêt pour moi, c'est de me dégager du temps pour pouvoir aller d'un élève à l'autre. En fait, prendre du recul par rapport à ma classe parce que je souffrais un peu avant d'avoir toujours la tête dans le guidon en permanence. Mais la tablette, ça me permet de prendre du recul, de lâcher prise, mais en me disant toujours que je vais pouvoir suivre ce qu'ils font après, quand je vais rentrer chez moi ou sur le temps du midi, voilà, prendre un temps pour moi et de regarder ce qu'a fait Paul, Pierre, Jacques. Ah, mais du coup, tu fais 46 fois 3. Ah, merci maîtresse. J'ai rien fait. Tu as trouvé toute seule. Le côté positif de la tablette, qu'on n'a pas par exemple avec un ordinateur, c'est que on peut prendre la tablette et aller s'asseoir dans un petit coin, faire son activité au calme, s'isoler, ce que ma classe permet aussi, enfin l'aménagement de ma classe permet aussi de faire. La plus-value de la tablette par rapport au fichier, ça va être que bien souvent, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de lecture. Donc du coup, ça permet à tous les élèves, peu importe leurs difficultés en lecture, d'accéder aux différentes activités proposées. Mais le côté ludique de la tablette, parce qu'il y a beaucoup d'exercices, d'activités qui sont proposés en forme de jeu, bah, ça fait que ça a un gros impact sur leur motivation. Si je me trompe, je peux me tromper, c'est pas écrit, il n'y a pas de trace. Et ça, pour certains élèves aussi, c'est très important. Ils ont plus de facilité à se mettre dans la tâche parce qu'il y a moins de traces de l'erreur. Beaucoup de modalités de travail que je propose, l'entraide et la collaboration sont au centre. Et si on pouvait faire un tournage au début de l'année et à la fin de l'année, on s'apercevrait vraiment de la capacité qu'ils ont maintenant à aller vers l'autre. Ça développe des compétences sociales énormes.